Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 19 décembre, l'Église célèbre la mémoire du bienheureux Urbain V, pape. Urbain V est considéré comme le meilleur des papes dits d'Avignon, qui ont gouverné l'Église pendant quelques 170 ans depuis Avignon au XIIIe siècle et XIVe siècle. Né à Grisac en France en 1310, Guillaume de Grimord devint un canoniste bénédictin réputé et fut légat papal à Milan et à Naples avant d'être élu pape en 1362. L'événement le plus important de son règne fut sa tentative avortée de ramener la papauté à Rome en 1367. Il a restauré les bâtiments pontificaux et réconcilié l'empereur d'Orient Jean V, paléologue, avec l'Église. Il conclut également une alliance avec l'empereur Charles IV, fonde les universités de Cracovie et de Vienne et aide les universités d'Avignon, de Toulouse, d'Orange et d'Orléans. Cependant, des conflits politiques l'obligent à retourner à Avignon en 1370. En juin de cette année-là, il informe les Romains qu'il les quitte pour le bien de l'Église et le 5 septembre, il s'embarque pour la France le cœur lourd. Le 19 décembre, il est mort, appelé par un contemporain « Lumière du monde et chemin de la vérité » et pris de justice, fuyant la méchanceté et craignant Dieu. Prions. Dieu, éternel et tout-puissant, tu as voulu établir le bienheureux Urbain sur tout ton peuple et le précéder par la parole et l'exemple. Par son intercession, garde les pasteurs de ton Église avec leurs troupeaux et guide-les dans la voie du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bienheureux Urbain V, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.